Bonjour à toutes et à tous les amis, bienvenue dans votre let's play de SWATCast, The Stakeoff Syndicate. Aujourd'hui, on est sur la map Stakeoff Warehouse en compagnie de Angel Michel. Ouais. Et de Benjamin. Youpi. Que de pas, c'est sérieux. Ouais. Ok, super. Bon, ça fait longtemps que vous n'aviez rien vu, les amis. Et donc, on revient en force. Et donc, bah, je vais laisser Angel, tout simplement. Ah, oui, c'est bon, bonjour. Bonsoir. Ah oui, il faut que je fasse le speech. Bonsoir. Alors, rapide et, en fait... et concis et circoncis et tout ça. Ouais, parle mieux de ma bite, hein. Attention. Oh, merde. Ouais, non. Je ne dirai rien de plus. À toi. Ouais. À vous, les studios. Ah, je suis en studio. Studio de Blédard, hein. Bon allez, oui. Alors ça dit qu'on a un truc de plus à faire ce soir après l'incident du métro, parce que Subway parle pas de la sandwicherie, je pense. Et donc on a un mandat d'arrêt, voilà, pour Kirill Stechkov. Je crois que j'ai bien dit en plus comment je répète tout, voilà. Stechkov, Kirill Stechkov. Ah putain. Et donc c'est le chef du clan Stechkov. Okay. Donc ils ont un hangar sur la Harrington Road, qui est l'endroit où ils utilisent pour se planquer. On a de la surveillance qui les a regardés depuis plusieurs jours. Et on imagine qu'ils sont là aujourd'hui pour préparer des gaufres pour la fête de fin d'année de ton école. La fête de fin d'année du clan, c'est ah, juste allez, c'était une bonne année, mec. Oh, on a fait un bon bénéf et tout. Bon, en gros, allez, on termine rapidement le texte, s'il vous plaît. Ça dit qu'il risque d'être bien armé, etc. C'est caché. Voilà. Et donc, on clique sur prêt et on y va. T'as lancé le record, copain? Absolument pas, et je lance maintenant. Putain. Oh. Alors, y a quelqu'un qui fait un bruit de vent, s'il vous plaît. Faut c'est peut-être... avec son ventilo. Alors on enregistre pour la canicule, hein, donc on précise. On sent canicule, là, ça va. Fais gaffe, y'a un mec à l'intérieur armé, repéré sur la gauche. Vitre. Ah ouais. Il traverse tranquille. C'est trop ridicule comment il marche. Oh, mais tais-toi, toi. Trop pas, vas-y. Alors, Thomas, sous la tête. Je te couvre. Fais gaffe aux vitres. Fais gaffe au vite. Allez vite, c'est une bolos. Tu t'en charges, je te couvre. Alors, t'en charges, je te couvre. C'est le mec qui brasse. On entre. Ok. Bon, on va peut-être commencer par s'organiser, les amis. On va pas rentrer comme des bourrins n'importe comment. Porte en audio, je crois. Non, c'est... je récupère un truc. Alors, j'augmente le son. Voilà. Ok, Angel, je vais checker sous la porte. Oups. Le mec, il est revenu avec son paperball, quoi. Ouais. Bah, Michou 1, Tony Ben 0, alors tu vas fermer ta gueule direct, hein. Il y a Ken et Barbie dans la pièce. Parce que Ken, il a une calache, c'est normal. Lol. Ok, bon, on va sur ta position, je pense. Là où je suis, il y a un mec à droite au fond du couloir. Et j'ai une tapette à souris géante aussi. Mais je sais pas trop ce que c'est, en fait. Vote pour la tapette à souris géante. Faut la neutraliser. Viens voir, viens voir. Et il y a une télé qui est sur CanalSat. Putain, ils sont riches, ils ont CanalSat. CanalSat, ok. Bon, il y a du monde. Il y a Barbie, Angel, et Ken, il a une calache. Tu sors une flash? Ouais, c'est le bouton. Ah, allez, j'ai pas oublié. Alors tu flashes, on rentre après. Mais sur la gauche de Tony, il faut que tu te mettes, parce qu'il est à droite, le type. Exactement, je unlock la porte, on se met en position. Putain, Ben, tu rentres gauche. Derrière la flash. L'autre gauche. Ben, tu rentres juste derrière la flash. Non, mais tu fais comme ça ou je fais un rebond contre la porte pour éviter? Non, comme ça c'est très bien. Ouais, mais, non, mais tu vas voir le type. Hein. Axe, hein. Ah, et voilà pourquoi. Parce que, genre, non, si je fais bon. Ça, si je me mets de l'autre côté, je fais un rebond et je suis tranquille, quoi. Elle est déloquée, okay. La porte ou pas? Ouais, c'est bon. 3. Alors, Ben, pousse ton cul, s'il te plaît. Bah, tu veux que je l'ouvre comment la porte? Je sais pas. Comme ça. Ah, c'est... Vas-y. Bon, je peux. 3. Allez, go. 2. 1. Kebab Alal. Ala Walpa. C'est parti, on opère. On pose, on pose, on regarde bien dans les coins, on fait attention, c'est clair. Je bloque la porte en face. Ben, il a failli se faire bolosser. Bah quoi, je lui ai demandé de poser, il a pas posé, je l'ai tué, je suis désolé. Ok, on ferme la porte s'il vous plaît, et on va progresser par là. Mec, vous avez de la monnaie? Négatif. Tiens, je sais pas, tu nous l'as. Attends, faut que je retrouve, c'est quoi quand même ma tapette à souris? Ah, c'est ça? Les gars, c'est une table pliée, c'est pas une tapette à souris. Il est con. Bon, j'annonce. J'annonce, prochaine pièce, vision obstruée par paravent avec plein de petits coins mignons.
hein, donc... Les mecs, regardez ce qu'il y a, please. Excellent. Putain, moi, il y a bien... Oh, les mecs, il est de notes. Putain. Mais tu penses qu'à Blair, quoi. On est... Il est 10h du... 11h. On peut lancer une flash, Tony, derrière le paravent. On rebond sur le mur, non? Je suis tenté d'avancer sans, en fait. Pourquoi? Parce que on va avoir besoin des flashs après. Ça va être vraiment très tendu. J'en ai 3 des flashs, si tu veux, mais bon. Bon, bah, ok, on lance une flash. Vas-y. Attendez-moi. Bah, tu aurais pu prévenir. La télé est même pas branchée. Ouais, mais y'a personne. Ok, on pénètre, doucement. J'ai un audio. Il la pose, il pose. Reçu. Michou, tu bloques la porte, s'il te plaît. Ouais. Putain, la thune qui volait et tout, c'était tellement stylé. Ok. Avec classe, quoi. Michou, je te laisse faire un état des lieux en dessous de la porte. Ouais. T'as niqué mon écran plat. Putain. Un écran catholique. Catholique. Catholique, Bon, ok, oh, hier, je regardais NCIS, mon gars, ils ont toujours des écrans catholiques. Ça me fait rire, mais putain. Alors, on progresse couloir avant de rentrer en gare, les amis. Ouais. Attention, Angel. 9, non, putain, faut que je trouve mon petit coin. Qui est ce con? En fait, si on engage dans le hangar, on va être vite surpris, je pense. Non, ça c'est C2. Alors, ça c'est. Non, ça c'est Diffuse. Tu veux pas que je passe? Ça y est. Ah, salut. Bisous. Il y avait un. Tu veux que je mette un bloc porte sur le hangar ou pas, Tony? Ok, j'ai un visu. Je crois qu'il y a toujours quelqu'un. Hein. Ouais, c'est... Putain, mais qu'est-ce que vous branlez, les gars? Vous êtes Delta, Charlie Delta. Moi, je regarde avec on mon bâton. On bouge pas, attention à toi. Passez pas devant, s'il vous plaît. Attends, what the fuck? Delta. Delta plane. Attention, il y a beaucoup de monde sur cette map. On bloque les portes, je progresse. C'est pas flouf parce que c'est là où on était tout à l'heure. Ok. J'ai ouvert l'autre à côté. Merde. Comme ça, bah, c'est une porte fermée, on sait. Ok, ça on peut pas la fermer. On peut avoir une couverture constante sur cette porte pendant qu'on check ce qu'il y a là-dessous. Bien, ouais, suivez Doudou. Merci. Au pire, on prend l'extincteur et on arrive. Ok, shot clear, double shot au fond. Je progresse. Clear. See the rim of the night. Oh, night! Okay. Oh, yeah! Tu nous verras avec Ben avec les deux lampes en train de faire de la merde. Putain. Ok, je couvre les deux entrées. Sur, salle d'en face. Please. Oui. Avec couverture escalier, attention aux vitres, ça donne sur une cour extérieure. Spécule. Angel, arrête de faire caca. Eh, vous avez tous les copains. Normalement, la salle est clear, j'ai quelqu'un au sol. Je vais rentrer pépère. Eh, méchant, vous êtes en bas. Tu veux moins faire monter 5, j'ai pas assumé avec mes 30 balles là. Ok, c'est clear, on arrive sur couloir, on a. T'as arrêté le mec derrière la porte là, t'as fait quoi? C'est tout à l'heure, ouais. Ah, d'accord. Il voulait shooter, donc voilà. Ok, donc ça c'est clear, par contre on a pas sécurisé une pièce au bout. Ouais, c'est le hangar. Avec la porte en carton, je te demandais tout à l'heure si tu m'as mis. Si tu voulais un bloc porte et tu m'as mis un ventilateur. Par la pince bleue là. Tout petit putain de lit. En fait, c'est ici. Ah, mais c'est la sortie. Ouais, mais il y a souvent du monde en bas. Vous êtes descendu, vous êtes. On va passer par là, on descend, progression lente. Attendez, je sais pas. Ouverture à l'escalier. Vous avez descendu les escaliers Non, non, ouais. Non, on est. Mais l'autre escalier. Exit. C'est. Il y a une porte là. Fais gaffe au coin. Bien joué, t'es blessé ou pas? Non, ah, vas-y, au bras. J'ai absolument perdu. J'ai vu du sang. Exit là. Ah! Ok, on reste groupé. Là, c'est entrée en gare, ça peut être vraiment très compliqué. De tous les copains. Là, ok, là. J'explique. On a face là, à là, nous. Viens voir, je suis là. S'il vous plaît. Putain, con. Oui, Tony, on t'écoute. Face à nous, on a un garage automobile. Ok, avec un véhicule sur la gauche. Derrière, il y a le bureau avec quelqu'un à l'intérieur. Je vous invite à regarder. Pousse ton cul. Ah non, c'est bon. Mm-hmm. Tu penses pas que derrière les pneus à droite peut y avoir quelqu'un? Si, c'est possible. Si, y a on flash, on flash au fond derrière la voiture. Exactement, si tu veux. Ouais. Ouais, on flash au fond. Ouais. Je la balance ou pas? Allez. Vas-y. Je m'en charge. On va vous rentrez après la flash, les gars. Hein, je vous sens chaud là, du coup. T'inquiète, Rox, du poney. Mettez chacun d'un côté de la porte. Tony, je te vois accroupi là avec les mains. Il n'y a pas de grenade dans tes mains en fait. Ben, tu peux unlock? C'est hyper. Allez, unlock, c'est bon, j'en ai unlock.
Quand couverture dans 3, 2, 1. C'est envoyé. Go, go, go. C'est bon, lui il sent. Ok, on fait attention aux escaliers, on n'engage pas, on n'engage pas le hangar, on n'engage pas. Je me suis auto-bolossé donc. Double couverture. Ok, c'est bon, tu l'as eu? Ouais, mais attends. J'ai multiple contact. T'hésites pas. Quoi? Qui oh, m'a tué? Merde. Ah, y'en a un autre, vous avancez pas, y'en a un autre en haut, je crois. Merde, je l'ai vu. Pour l'instant, on reste sur position, on bouge pas. Je suis tasé, histoire d'être tranquille. Raté. Mais tu sais même pas tasé, putain. Non, mais Angel, gâche pas tes tasables. T'es load, t'es merde. Entre à l'intérieur, mais progression lente. Fais gaffe, y'a du monde et te contacte. Tu rentres direct dedans, tu cherches pas à... Ça à gauche, rentre direct et va le maîtriser avant qu'il récupère ses armes. Cherche pas à couvrir, je te couvre moi. Allez, oh putain, le mec il avait une putain de sulfateuse, mon gars. Ouais, toi, hein. Toi qui t'es fait bolosser direct alors que t'aurais pu tous nous rect. Ah, mais ils ont vraiment des calendriers comme ça partout. Mais il y a partout. Allez, Angel, viens. Attends, je vais appeler cette porte. C'était un vif, ça peut être sympa. Je veux dire, il y avait un type en haut. Oh la vache, il y a des entrepôts derrière, mon gars. Ah ouais, mais je te dis, celle-là, elle est chaude. Je vais me faire un point de vue aussi. D'un côté, je vois personne. N'hésitez pas à mettre un bloc porte. Putain, qui marche. En fait, on va pas passer en haut parce que sinon, on est trop des cibles faciles, on va rester en bas. Regarde là, on nous explique comment on les recte. Avec un Fenwick, en fait. Lol. Angel. Ouais. On va progression accroupie lente et on avance. Tiens, bah lente. Rect. J'ai touché. Ah, moi je tire pour tuer, mec, hein, je te le dis direct. Hein. En même temps, tu vas pas tirer. On a un agent à terre. Les mecs, s'ils font partie d'un plus gros réseau. Tu couvres les hauteurs, Angel. Couvre les hauteurs. Ok. Il y a tiens pas au milieu là, sur ta gauche. Non, j'ai eu du mouvement au-dessus là. Ouais, Tony par là. Derrière les cartons, j'ai vu un mouvement. C'était un rat, t'inquiète. Bah ouais. Attention, le conteneur il est ouvert. J'ai sécurité la victime. Sécurité. Sécurisé, j'ai dit. Non. Sécurité. Ah, ma langue a fourlé. Fourché? Non, fourlé. Ah bon? Tu sécures le conteneur? Ouais. Pas un peu large. C'est bon, je suis dedans, je bouge plus. Oh, ma lampe elle est bégayée. Ouais. C'était quoi ce flash de Blader? C'est bon. C'est volontaire. Oui, bien sûr. Prends le temps. Qu'est-ce qu'il y a? Putain, c'est bon. T'es sérieux, t'as ton paperball? Ouais. Mais ouais, mais le mec il s'en bat les couilles quoi. Bah regarde, jusqu'à maintenant ça marche bien. Hein. On a un mec à terre. Mais mon gars, le type il a l'armurerie de du front national à côté de lui là. Je suis parti chercher loin mais. Attends, y'a pas une photo de Marine là quelque part? Mon gars, il est gros. Matt, juste. Mais mon gars, il aurait pu faire grosse campousse derrière la table là, il t'aurait. Oh là! Culé, ouais. Ouais. Sors d'où lui. Fais gaffe hein, tu vas être explosé hein. Ouais, en attendant qui c'est qui sécurise Michou. Et qui c'est qui bloque Tony aussi, c'est Michou. Ouais. Angel, tu reviens? Oui. Sinon vous avez tout reporte au passage, bien, c'est bien. Ah bon? Ouais. Ah non, je crois qu'on avait fini. Non mais... Il faut tirer alors, sur Kerry Stitchcroft. Angel? Ouais. Je te propose de monter l'escalier, de me couvrir d'en haut. Avec le paperball, t'auras une bonne couverture. Par contre, progression extrêmement lente. Mec, ouais. Putain, si tu branches. Il est sur sa porte là. Tu peux pas leur taxer de Negev. Oh là là. Escalier, progression lente, tu fais attention. Je progresse en bas, on se couvre mutuellement. Surtout qu'ici, en fait, moi je vais sur la gauche. Attends, je vais avoir de l'activité. Oh, l'écran plat de ouf là. Angel, sérieux. Ouais. Je suis en train de monter, de toute façon, je peux pas aller plus vite. Si, en appuyant sur la touche Shift. Non. Tu sécurises la porte avant? Non, ça coupe, ouais.
voir ce qu'il y a derrière. T'as besoin d'assist ou pas pour la couverture? Non. Non, il va se faire défoncer, c'est pas grave. Il a pas l'air d'avoir du monde. Bah flash si t'as peur. Enfin si tu es pas sûr, pardon. C'était une tafiole. Non, il a vraiment l'air d'avoir personne, je vais y rentrer. Faut pas le dire. Ah, il y a la boy, c'est sûr. Ça je l'avais pas vu. Ok, c'est bon. Ok. Personne derrière la porte. Il y a une porte derrière aussi, non? Ouais, il y a une autre porte là. Bah elle donne sur quoi? Elle redonne pas sur la terrasse de l'autre côté? Si, elle redonne sur la terrasse de l'autre côté. Ouais. Ça te permet d'avoir un visu si y a rien sur la passerelle. Arrête de tes mains. Arrête de tes mains. Ah ouais, c'est extérieur. Ok, bon, progression. Ok, referme là en fait. Oups. Il a eu peur. Non, on non, vaut là. Mieux. On oh, hé, hey, je veux ça. Hé, hey, ouais, prends-le s'il te plaît. Amène-le chez moi. je le mets dans mon boîtier là. Avec ta carte graphique, bref. On va rien dire, hein. Non, rien dire. Progression lente, tu fais attention à. Tu vas tout droit. Moi, je suis là et tu m'annonces déjà si t'as des contacts. Y a quelque chose là-dedans là? Je vois ta caméra, mais ça a l'air plutôt clair. C'est progressé. Ouais, quand des AK partout, t'en as. Ils ont combien d'armes ces mecs? Ils sont combien en tout? Trafiquant d'armes, mon gars. Marseille. Non, mais mec, informe-moi au lieu de dire des conneries, s'il te plaît. Bah, y'a rien. Fais gaffe derrière. Oui, derrière ça, Tony. Parce que Michu l'a pas dit. Il est préfabriqué. Franchement, je vois personne. Ok. Je vais rentrer là, je me porte. Je vais te rejoindre, attends-moi. Je vais finir de checker le bas là. Et non, bah, c'est bon, le bas est checké entièrement, du coup. Je te rejoins. Ok, j'ai un mec là-bas au fond. C'est peut-être le dernier qu'il faut tuer. Regardez si vous pouvez faire double entrée d'abord avant, non? Sur le côté. Ouais, c'est en cours, ouais. Et vu que j'ai la classe, je vais rentrer au C4. C'est du C2, bon. On a fou. J'en mets deux, ça fait du C4. Oh putain. Tu veux pas que je flash derrière? Bah, si on j'ai nous flashé derrière. On nous a allez, dit joue. Que ça faisait l'effet de flash, genre. Et pété. 3, 2, 1. Prends une explosion dans la gueule. Je rentre. Ah c'est Kirill. Allez, Kirill, force ton arme. Bolos. Je cours. Le C4 aurait suffi, hein. Bah les couilles. Ah c'est même pas Kirill. Tu faisais quoi avec cette photo là, mec, hein? Tais-toi. Oh, parle mieux. J'ai un audio là. Bah, on est où au niveau des statues là? Il vous manque Kirill. Mais il nous manque même encore Drink Order Stupiao, donc. Oui, mais si t'as Kirill, t'as le chaos. J'ai entendu au début. Parce que là, y'a un truc fabriqué juste en dessous là. Mais ça, vous l'avez check normalement, ça non? On l'a check à pied. Ouais, on l'a check. Extérieur. Ouais, ça, t'as vu? Ouais, ça. Putain! LOL! Ah oui, d'accord. T'as quelque chose là. Ça, c'est donne vers l'extérieur. Tu veux vraiment pas être sûr d'avoir raison, tu sais, va voir quand même. Bah, juste être sûr, mais tiens. Sûr dans la sûreté, bah du coup, ouais, c'est l'extérieur. Je crois qu'on a une mauvaise nouvelle. J'ai l'impression qu'il y a un sous-sol, je suis pas sûr. Ouais, si tu me rejoins dans l'armurerie, il y a une sortie vers un truc qui est un. T'avais pas un mouvement là, Tony? Vers des couloirs. Ah non, c'est eux, d'accord. Salut les bros. Oui, c'est, ils sont attachés, putain, m'a fait peur. Tony, essaie de manger l'armure. Alors, je te guide. Non, mais t'inquiète, je vois. Ouais, voilà, c'est là, puis après tu. C'est une demi-tour quand t'en vas. Là-haut, t'as un. Dès que possible. Et c'est en bas que c'est intéressant. Effectivement. Parce qu'on a un genre de sous-sol. Et je sais pas du tout où ça mène. Ok, on engage. Y'a rien de visible pour l'instant. Ok, affirmatif, c'est par là. Y'a un truc au fond, en fait, gaffe. Fais gaffe à l'extrême droite pour toi. Attends, j'ai un. C'est bon. Mec, t'engages pas comme ça. J'ai des angles supérieurs par rapport au tien des fois. Quand je fais écarté, je peux mieux voir. Clear pour ce couloir. Si t'as il te reste une flash, flash dans l'angle, Tony, non? Ah, c'est clair. Avant de prendre. Non, j'ai plus rien. Là, t'es exposé, va te causer contre le mur, je pense, non? J'ai un mec juste derrière. Alors, est-ce que tu peux venir et m'ouvrir la porte, s'il te plaît? Alors, moi, je te propose d'abord de sécuriser le couloir parce que si ça arrive dans le dos, on va rien comprendre. Ouais, mais si lui il sort et qu'il arrive dans notre dos. Eh ben on va le niquer.
Sérieusement, je peux le sécuriser là, il est pas sur ses gardes. Tu vois, j'ai bien fait quoi. J'ai mis un gros watchout. Si tu peux le sécuriser, sécurise-le. Si tu préfères le sécuriser à deux, je peux comprendre. Maintenant, il est un peu sur ses gardes. C'est pas un type de ouf. Attends, il y a peut-être... Parce que je voudrais simplement que tu m'ouvres la porte en fait. Oh putain, mais il y avait moyen de faire une double entrée là, je pense. Regarde. Je suis pas celle-là, sûr. Là. Celle-là, elle, la bleue là que tu vois. Elle donne sur. Fais un visu, regarde si t'as une porte. Coucou! Il s'est pris une balle dans l'épaule, tu peux le calmer. Oh putain, il y a trop d'entrées derrière. Je le tasse, mais ça c'est juste. Ah, contact, contact, contact! Je rebrousse chemin. Fais gaffe, hein, sur les portes. J'ai pas l'avantage. J'ai pas l'avantage. Tu fais gaffe, y'a un contact ennemi hein, sur toi. Hein. Ouais, mais il peut passer par la porte aussi. Hein. C'est pour ça que je rejoins par là. De putain. Attention, ta progression, je te couvre. C'est bon, je suis en couverture. N'engage pas la porte ouverte. Tu peux regarder sous celle-là, là, s'il te plaît. Je te couvre. Essaye de la fermer. Ah, il a essayé de l'ouvrir. Bouge pas. Et bah attends, bah je vais poser un C2. Hein. C'est bon, t'as tué qui arrive. Putain de bourrin. Bah non, mais. C'était le fait, chef. Pose ton gun. Et il a fait nique ta mère. C'était le chef, il aurait pu nous rapporter mais tellement d'informations. Ça va, ils aient pris que 2 balles, hein, tu sais, hein, vu sa taille. Ouais, ça va. Pronostic vital est peut-être pas. Je suis sûr, les balles rebondissent en plus. Ah putain. Moins 20. Pouh, Tony. Ouais, voilà, Tony, hein. Mais n'importe quoi, j'ai gueulé. Ouais, après, ouais. J'ai gueulé à la wake bar. Tu regarderas la vidéo hein, et tu verras. Bon, les amis, on vous remercie d'avoir maté cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner. One try, quand même. Qu'est-ce t'arrive? Qu'est-ce t'as doué? Qu'est-ce t'arrive, t'as dit? One try, ouais, c'est pas faux. Ouais, ouais, c'est pas du premier coup. Hein. Bien joué. Oui, la map est difficile. Ouais. Et tu fermes ta bouche. Eh oh. Tu prends la direction. Hein. Bon, on vous remercie, abonnez-vous les bah, amis, on vous dit à bientôt pour un prochain épisode. Oui. Ciao. Ouais.